Non, j'ai un cheval déjà Lisco Fligny, je pense qu'il va monter. Il va monter de catégorie. Déjà, il court les groupes, mais je pense que quand on va pouvoir le déférer des 4, ça va encore l'améliorer. Jalisco, c'est un petit cheval que j'aime bien. Je pense qu'il il court déjà les groupes, mais il va encore monter les échelons quand on va pouvoir le déférer. Et peut-être meilleure courte distance, mais un cheval brave et tout qui va monter. Jean-Mix, c'est un grand cheval que j'espérais qu'il fasse bien l'hiver dernier. Il n'avait pas de force, mais là, il va faire un bel hiver, je pense. Bah, Jacinthe vient de gagner. Je pense qu'elle va regagner. Elle a gagné une petite piste. Je pense qu'elle va encore être meilleure grande piste. Je pense qu'elle peut regagner au moins une course. Jacobson, c'est un poulain qui est un peu compliqué, mais on va le mettre monter. Il a de la classe. Ça va gagner aussi cet hiver. Jordan Dieschout, c'est une très bonne jument, caractérielle, mais à mon avis, c'est bien au-dessus de Jacinthe Durfist encore. Je pense que c'est une jument, si la tête est sueuse, elle va courir les groupes. Chauffe des bandes, un bon cheval, pas facile, mais beaucoup de classe sur la grande piste, ça devrait être très bien. Ibiki Doel cet hiver, c'est un cheval qu'on a gardé pour cet hiver, à mon avis, qui est en gros retard de gain. Oh, c'est un bon cheval qui, l'année dernière, n'avait pas de force, déjà ce qu'il a fait sans force, et là, il a pris de la moelle, je pense que non, puis pour moi, il est en gros retard de gain. Camorra, à mon avis, c'est une jument qui est en retard de gain aussi, qui est une bonne jument, qui n'a pas beaucoup couru, mais qui n'avait pas trop de moelle. Et elle va bien faire cet hiver monter. Iris du CB, c'est une jument qui va bien faire sur la grande. Elle n'est pas trop gauchère, mais sur la grande piste, elle va gagner sa course sans problème. Oui, c'est une jument peut-être un peu plus de courte distance, mais c'est une jument qui monte des belles choses. Ikem, c'est un cheval qui est un radicache, compliqué. Il a une fêlure du genou cet été, donc ça le chatouillait peut-être un peu depuis un moment. On va recourir deuxième partie de meeting à partir de janvier. Freeman, j'espère que ça va bien se passer. Voilà, le cheval, faut il faut qu'il soit bien, mais bon, le cheval bien, il est capable de faire de belles choses. Voilà. On va aller sur les belles courses, de toute façon, on a un programme assez facile, c'est pas compliqué. Bon, il s'adapte à tout, puis il devient plus brave, le moins compliqué quand même. Ouais, non, mais j'espère, on va aller sur le Cornillet avec, hein. J'espère que le cheval sera bien le jour J. Pion Lucky, la jument, c'est une jument qui est un peu déclassée dans sa génération. Pour l'instant, elle domine. Bon, bah, elle a encore les courses de 50 tout l'hiver. Et après, ben, de toute façon, on n'a pas le choix, vu les gains, d'aller sur le Cornillet aussi. C'est une jument maniable, que voilà, pour gagner, ça va peut-être être compliqué, mais elle fait toutes ses courses et puis elle est maniable dans le parcours. Fragonard, c'est un cheval qui a des gains, par rapport, mais il arrive dans ses gains, mais j'ai envie de l'essayer monter cet hiver. Voilà, c'est pour ça que je l'ai un peu mis en une surprise. Oh ouais, un peu un coup de poker. Je n'ai pas encore essayé, mais je pense qu'il peut aller. Clavim, c'est une jument qui fait tous ses hivers, une jument sérieuse, qui va monter attelée, elle est meilleure attelée quand même. Mais qui fait tous ses hivers, donc qui va refaire son hiver sans problème. Bah, Jeff Deplay a eu des problèmes de santé, l'hiver dernier il n'a pas couru, donc il va prendre deux pattes, j'espère que ses pattes vont tenir. Si ses pattes tiennent, c'est un cheval je pense qu'il peut gagner deux courses dans l'hiver. Il est un peu en retard de gain, mais bon, avec ses pattes, on ne peut pas trop le travailler, donc on ne l'a jamais à 100%, quoi. Au plat, bah, c'est pareil, il a des problèmes de santé, il y a l'image de Jeff, il faut qu'on la retrouve. Voilà. Si on la retrouve, je pense qu'elle peut faire de belles choses, mais il faut que les pattes elles tiennent. Fleur de Loiron, c'est une jument qui est bien l'hiver, qui en apprenti devrait bien se défendre. Je pense qu'elle peut refaire un bel hiver, mais les courses d'apprenti. Galix, c'est un cheval à l'image de Fragonard, qui est sérieux, qui fait toutes ses courses. Lui, je ne vais pas le mettre monter, mais pareil, quand il a un bon parcours, il est capable de faire des belles choses. Je pense qu'il peut faire des belles arrivées. Gadurfis, c'est un grand cheval qui est fait pour faire la grande piste, parce qu'on a laissé un peu tranquille. Pour moi, qui est arrivé à maturité. Il devrait faire pas mal longue distance sur la grande. Général, c'est un peu à l'image de Gaelic. Il est un peu en dessous. Mais c'est un cheval avec un bon parcours. Il sait finir ses courses. Je pense qu'il pareil, ça peut bien faire. Et Topette, c'est pareil. À l'image d'Opla des Louanges, ils ont des problèmes de santé les deux. Lui, il a eu ses pattes. À mon avis, c'est mieux calé qu'elle. Si on le retrouve, ça c'est un bon cheval. Très bon cheval.